Salut à tous, c'est Freeze. Et donc on continue le scénario de Risa toujours. Je pense que c'est la dernière fois. Enfin, avant de changer. Parce qu'on est déjà aujourd'hui. On va terminer le 8ème et ça va être la fin. Donc là on se régénère, ensuite on va là. Et là on peut regarder ce que font les équipes. Donc Dune vous dit. Dune, ben il s'interroge sur pourquoi il a un Jade qui doit sauver la planète, il comprend pas. Et qui lui dit ouais on va te prendre 10 trésors machin. Salent, on voit juste le moment où le pont s'écroule, après avoir combattu le boss. Ça dure 3 secondes. Et Sion, ben, on choisira donc je vous le montre. Mais lui aussi ça dure 3 secondes. Voilà, vous allez voir. Ils arrivent dans la photo. Chose ici étrange. Impossible. Serait-ce dû à ce vaurien de Sult. Enfin. Ça sert vraiment à rien les trucs. Voilà. Le gars il parle tout le temps de Mayfair, moi je connais même pas. Voilà, et combat de boss. Alors, un combat long, mais pas dur. On va se mettre mi-foudre, parce qu'il fait une attaque de foudre sur tout le monde qui est assez puissante. Il l'a fait deux fois, je suis mort. Et on va augmenter notre attaque. Le problème, c'est qu'on lui fait pas des dégâts énormes, quoi. Vous voyez. Bah, alors, regarde, si j'avais pas fait mi-foudre, deux fois les dégâts. Donc Risa serait presque morte. Alors l'avantage de ce boss c'est qu'il fait des attaques puissantes. Mais que vous allez voir ce qu'il fait juste avant. Bon, d'abord il fait son attaque de zone. Puis après il fait ça. Il fait scan sur un perso. Ça fait une espèce de triforce là. Je sais pas si vous avez vu. Et ensuite ben il lui fait une attaque. L'attaque la plus puissante possible. Selon son type en fait. Voilà. Donc là il m'aurait tué hein, si je m'étais pas défendu. Le problème c'est qu'il perd des tours à faire scan donc en fait du coup je massacre. Voilà, il fait toujours son attaque de foudre sur tout le monde. Ouh, sauf que là j'ai oublié de faire mes foudres, ça fait mal. On va faire scan sans Garlil. Ouais, c'est une triple quand même. Je suis pas fou, hein. Je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Donc, on va faire ça. On va se défendre. Un combat long, hein. Je le dis. Ça sert à rien d'attaquer avec Risa parce qu'elle fait des dégâts de merde. Hein. Et ça sert à rien de mettre le fusil sur Garlil, l'épée est plus puissante aussi. J'ai bien fait de l'acheter. Ouh là 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 là. On joue pas plus tard. On va essayer. Elle ça. De brunier, on va défendre. Pas besoin de se défendre hein, juste après qu'il ait fait scan sur un perso. Sinon, on se prend une putain d'attaque. La preuve. Alors, on va prendre un peu de poudre. Voilà. Heureusement on a beaucoup bien le temps de se soigner à chaque fois. Elle faut faire gaffe à ses points de magie par contre. Lui aussi d'ailleurs. Je fais toujours pas voir HPU en premier vu que c'est lui qui a le plus de vitesse. Je pense que c'est grâce au Soma Bot en partie.
Lui, ça a rien d'attaquer à Chrysal, fait des dégâts minables. Du genre moins de 10 quoi. Bientôt fini. Il est pas dur ce boss, c'est juste long. Aïe. Bon, normalement il fait scan après, donc ça devrait aller. Bon, je vais brûler. Ouais, je vais soigner bien sûr. Brûler avec les autres. Ah là, je crois que le... les dégâts doublés ne sont plus effets. Bon, lui on peut presque attaquer avec, ouais. Parce qu'il fait pas assez de dégâts sur, sur lui. Même avec son attaque la... la plus puissante. Il peut pas le tuer, je pense. Ouais, il fait que 75. Ah, le salaud quoi, il est dans le rouge et il continue à faire des gros dégâts. Lui, il faut absolument qu'il se défende par contre. Enfin, le con quoi. C'est déjà plus de 7 minutes de combat. Hein. Bon, il m'a pas fait beaucoup de dégâts vu que j'avais le... l'anti-poudre. Ah, il fait que ça maintenant. Il devient de plus en plus rouge à chaque fois, mais je... on dirait qu'il est jamais assez rouge. Hein. De toute façon, là, je vous le dis, c'est un qu'à l'attaque. Donc, défense. En tous les cas. Si encore le feu faisait des gros dégâts, là, j'aurais peut-être pu attaquer. Non, elle serait morte si je l'avais fait attaquer. C'est pas possible. Y'a un bug là. Ah, moi. Le con. Alors. Bon, allez, on va en faire un encore. Ah, non, putain. On a un chou-fleur. Hein. Une toque de cuisinier. Bon, c'était long, hein, vous avez dit. Ouais, il parle de biotanks qui ont pollué le monde. Oula. Bah, utilise cette énergie mère. Temple. Et là, retournons au château. On va rappeler le château de Gomard, mais on va y retourner. On est un peu mal en point, je crois, là. Oh putain, ouais. Là on est en fait au... Vous voyez où on est. Juste à monter là. On sort.
Tiens, on peut obtenir des fruits ici, je l'aime. Alors. Ça, j'ai oublié de le mettre. J'aime bien ce que c'est, ce prix d'ailleurs. Ok. Des fruits. Quoi? Attends, mais j'en avais 9 de fruits, ce que j'ai. On va pas chercher à comprendre. Ça, c'est le bâtiment que j'ai dit. Qu'il y a rien dedans, mais je me demande si c'est pas un truc de soin ici. Bon. Oui, je vais dire rien ici. Quoique. Ouais, non, on verra. Il y a rien ici. Il y a rien du tout. Bon, bah, on va aller au château. Putain, c'est haut qu'on peut se régénérer déjà. Ok, je sais même pas par où on sort. Par en bas, non? Ouais. Ouais. Bon, bah, j'espère qu'un autre personnage n'arrive par ici, alors. Bon. Alors, on retourne au château la nuit. Voilà. Sauf que cette fois, bah, les portes sont ouvertes. Magicien dans la merde là. Ah non, elle se referme. Putain, les codes. C'est que le jour alors que c'est ouvert. La tour grand inconvénient du jeu. On me dit qu'on commence à faire chaque combat. Bon, ça sert à rien, j'en ai déjà un. Alors... Attends, excusez-moi de renifler là. Les bouts de neuf. Bon, on va mettre ça les faibles. Voilà. Je suis le gros con quand même. J'attaque que quand... Putain, mais c'est beau qu'on peut se régénérer ça. Ah là, vous voyez une clé. Là, si on parle au roi en fait, il nous dit. Voilà. Si on parle au roi, il nous dit qu'il faut mettre un truc dans le pot. Bah, justement, on met un fruit. Putain, mais y'a pas moyen de se régénérer quelque part. Merde. Ouais, ok. Bon, bah. On va utiliser les objets. Mais parce que bon, vous avez compris, y'a un boss ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser contre lui, je sais plus. Attribuant. Combien anti-vite ça rien du tout. Anti-foudre. Bon, on va essayer comme ça, on va voir. Faut lire toutes les pages. Vous avez vu une âme rentrer dans la chaise de gauche. Il est dans la chaise de droite. Ah, il parle des bleus de 5. Thank you.
1, on est encore à la plage suivante. Et chaque fois qu'on fait l'air à la plage suivante, en fait, ben, y a une âme qui se met quelque part. Encore une page. Et hop, combat. Et là, faut absolument regarder où l'âme s'est logée en fait. Donc elle s'est logée ici. Donc faut attaquer là. Voilà. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ça bouge. Hein. Il y a le haut de la chaise qui bouge, je vois très bien. Je mets dans la chaise en bas à droite. Fait des super dégâts avec les armes. Ils font ces images à quoi hein. Voilà, et la dernière. Ouais, super, c'est fini. Non, même pas, putain. J'ai pas vu bouger là, mais on peut voir. Voilà. À gauche. Même pas le temps de faire séisme du coup. Voilà, donc de moins en moins puissant. Alors faut pas me faire gaffe au... à la vie qu'on a. Voilà, c'est presque fini. Hein. Tant qu'il n'y a pas d'âme dedans, on peut pas les détruire. Voilà. Voilà le roi Eltin. Il a dit qu'il voulait prévenir. Il fait des attaques de Yang apparemment.
Alors. Putain, c'est n'importe quoi. L'enflure. Ah, il m'a niqué là. Putain, j'en ai plus. Tac. Putain, j'aurais fait quoi? Ah, je sais que j'avais supprimé le sort. Ah, c'est la connerie à pas faire. Il fait des grosses attaques quand même. On va brûler. Heureusement, il a une faible défense. Voilà. On a détruit le Rockfucker. Non, Royal Team, qu'est-ce que je dis Fucker? Il y a marqué Fucker, je dis le Rockfucker. Le Royal Team. On descend. Pomme. On récupère la clé des ruines. Dégage. Ouais, mais dégage. Ah, alors. On sort d'ici. Ah, il me semble que maintenant on peut passer par les portes. Et. Alors. Ça, on s'en fout. C'est où déjà? Normalement, on obtient des nouvelles armes. Une nouvelle arme pour piquer quelque part, mais je sais pas si c'est. Bah, de l'or. Faut savoir que les fantômes viennent que la nuit. Et donc, si on venait pas la nuit, on pouvait aussi récupérer ce qu'il y a dans les coffres. Enfin, mais ça, on l'a déjà vu, je suis con. Ah, bon, on dirait qu'il y a plus d'ennemis depuis qu'on a tué les fantômes. Ouais, bah, vu qu'on a tué le roi, bah, il y a plus de fantômes. Ça devait être le roi de Gomorre, je suppose. Alors. Ah, mais c'est pas ici. Alors, tu penses régénérer, non. Là, c'est un livre qui explique l'histoire de la pollution. On voit petit à petit ce qui s'est passé, quoi. Ne peut détester pas un rat. Bah écoutez, je vais terminer ce château, puis après je vais partir, puis on se retrouvera pour sa rotation. Je vais juste voir. Normalement, il y a des trucs à récupérer par là. Voilà. Ah bah c'est bien qu'il n'y ait plus de monstres. C'est logique, remarque que c'était le fantôme mais comment il a tué. Voilà, on parle du biotank. Ah bon. C'est par là. Voilà, roi ours. Et là, vous allez voir ce qu'on va faire. Roi ours, voilà, une nouvelle griffe pour Pipin, qui fait rien de spécial, je pense. Ouais, c'est juste des griffes. Je me demandais si elles avaient d'attaque plus de dégâts contre un certain type, mais bon. Voilà, alors il semble qu'il y a un endroit que j'ai pas encore visité au tout début là. Bien sûr que quand il n'y a pas les ennemis, ça va beaucoup plus vite. Ouais, par là je suis pas allé.
Ah ouais, d'accord. De toute façon, il est scellé. Alors. Je vais sortir pour sauvegarder et pouvoir continuer avec mon autre scénario. Voilà, le jour se lève et nous sommes au jour 9. On sauvegarde. Voilà, on a rattrapé Silent. Avec un niveau beaucoup plus élevé d'ailleurs. Je n'ai même pas remarqué qu'il était à un niveau si faible. Par le pur level up, lui. Et donc, bah, je vais retrouver la prochaine fois avec le scénario de Sion. Donc, vous verrez plus tard hein, ce qui se passe dans le scénario de Risa. Est-ce qu'on va re-rencontrer Marina, qui est Meifa. À quoi sert la clé qu'on a obtenue. Voilà, donc je vous quitte ici. Je vous dis à la prochaine. Salut.